Merci pour l'accueil, merci à vous d'être venu. Je fais commencer quelqu'un d'autre. Vierge est à la fois. C'est pas juste. C'est la technique, non? Der Eingang ziemlich versteckt in einem Hinterhof, Stegen in erster Stock, ein schmaler Gang mit Velo verstellt und ganz hinten eine Tür, ein winziges schwarzes Schild mit weißen Buchstaben. Bonbon. Ein grosser, höher Raum, auf zwei Seiten Fenster, grosse Tisch, Gestell bis unter die Decke, voll mit Büchern, Heft, Schachteln. Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, c'est pour après. C'était une petite introduction pour vous donner un aperçu du contexte linguistique dans lequel on travaille. Vous aurez compris, c'est pas le français. C'était du suisse-allemand. C'était juste la description comment on entre dans notre bureau. La description visuelle, vous l'avez devant vous, c'est un aperçu dans notre bureau. Peut-être une excuse pour commencer, je risque peut-être des fois de chercher mes mots. C'est parce que j'ai appris mon métier en allemand et je travaille la plupart du temps en allemand, ce qui fait que de temps en temps, les termes techniques, je dois aller les chercher, soit là où ils ne sont pas, soit au fond de ma mémoire. Bonbon existe maintenant depuis 10 ans. Valeria, qui devrait être là, est restée à Zurich. C'est plus facile pour moi de parler en français vu que c'est ma langue maternelle et pas la sienne. Elle vous salue bien. Le bureau a grandi cette année. C'est la rançon du succès de ce livre dont on vient de parler. On est trois maintenant. Au fond à gauche, c'est le nouveau, Mirko. Depuis janvier, et on a encore un stagiaire qui complète l'équipe. On arrive un petit peu aux limites maintenant de ce qu'on considère comme un petit bureau, entre guillemets, familial, mais ça fonctionne. Je fais un petit aperçu de ce qu'on fait en général. Ça, c'est la cinquième personne, c'est la nouvelle machine à café qui nous permet de raccourcir un petit peu les heures supplémentaires ou avoir l'impression qu'elles sont plus courtes. Je fais un petit aperçu de notre bureau. Ça va aller un petit peu vite, je ne vais pas m'attarder trop. J'irai un peu plus tard dans le détail de quelques travaux. Le fait qu'on soit un petit bureau, ça sous-entend aussi qu'on est un bureau généraliste, c'est-à-dire qu'on fait entre guillemets, ce qui nous est servi, ça va de l'affiche que vous voyez ici en contexte pour le Kunsthaus de Zurich, des affiches ici dans le domaine culturel. Ici à gauche, une affiche pour un événement qui essaye de faire se rejoindre scientifiques et artistes. C'est quelque chose qui ne fournit aucune image à l'avance, donc on doit se débrouiller avec des moyens un petit peu plus restreints, qui sont en fait la typographie, les lettres qu'on met ici en scène, avec le mot Didactica qui change en fait chaque année. À gauche ou à droite, c'est une affiche qu'on a fait pour la commémoration des 150 ans des relations commerciales entre le Japon et la Suisse. On ne sait pas du tout si ça marche, mais on a essayé de faire un jeu de mots en allemand et en japonais. Japon, en allemand, c'est Japan. On a essayé de mettre le Ya de bande dessinée avec le dieu Pan, avec le monde érotique qui l'entoure. Le jeu de mots en japonais, il est un peu plus ardu. C'est la première lettre qui est un sou, qui est le son sou. Et la Suisse, on dit sou-izu, semble-t-il, et puis Izu, ça veut dire les chaises, donc on a essayé de modifier ça. On a encore fait tester ça à aucun japonais, on ne sait pas si ça marche, mais c'était beau. Et vu que les Suisses ont, en tout cas dans le passé, maintenant ils continuent aussi, mais fait des belles chaises, ça valait la peine de les représenter aussi. Une autre situation, c'est un petit peu toujours la même chose dans ces affiches, c'est souvent pour des expositions qui sont faites maintenant au Kunsthaus, qui sont faites pour des artistes qui ne savent pas encore ce qu'ils vont exposer jusqu'au jour de l'ouverture de l'exposition. On a juste quelques mots-clés. Ici, c'était Latifa Ekchak qui a travaillé en fait sur le monde du cirque. Donc, on a simplement repris certains éléments graphiques du cirque pour les représenter sur l'affiche.
Il s'est avéré qu'après, la tente qu'elle a utilisée dans l'exposition n'était pas jaune et blanche, mais rouge et blanche, mais elle était rouge et jaune. Les gens sont quand même venus. Ici, une autre affiche pour la Kunsthaus de Zurich. On fait aussi des identités. Ici, un exemple pour un architecte ou pour un scénographe. Ici, c'était un travail assez drôle, réduit sur la carte de visite. Mais c'est un scénographe qui s'appelle Alain Rapaport, qui travaille en Allemagne. Et il doit chaque fois épeler son nom, parce que personne ne comprend son nom, et expliquer en allemand ce que veut dire scénographie. Parce qu'évidemment, c'est un mot étranger qui a été intégré dans la langue allemande. Donc on a en fait pris comme principe d'essayer de découper en fait tous les mots et puis d'en faire une représentation graphique qui nous permet de jouer ensuite avec des nouveaux mots qui apparaissent, que ce soit le rap, les arcs, le hit, etc. Un autre domaine dans lequel on a pas mal de travail, c'est le domaine du magazine. À gauche, un magazine de théorie qui s'appelle le 31, ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et puis à droite aussi, j'y reviendrai, c'est le magazine Juli, qui est un agenda culturel pour un canton, le canton d'Argovie en Suisse. Ici, un autre exemple du magazine 31, et puis un autre magazine d'entreprise qui est en fait pour un client assez spécial, qui est un home pour personnes atteintes de démence, avec lesquels on est en train de travailler maintenant régulièrement, et on essaye de représenter ça sous forme de cahier et de communication pour le home, et en discussion aussi avec une photographe qui doit essayer de représenter cette manière cette maladie ou cette destinée avec pas mal de dignité. C'est un travail qui est assez intéressant et qui nous fait un petit peu sortir aussi du domaine culturel, ce qui est agréable des fois. Pour revenir dans le domaine culturel, on fait des livres. Ici un exemple de livre d'artiste. Un autre exemple de livre d'artiste ici à gauche pour le duo Mayer-Franz, et à droite, toujours dans le domaine culturel mais plus global, c'était un livre qui a été réalisé pour la Suisse, qui était en même temps que nous on allait recevoir notre prix pour Meret Oppenheim, qui était en fait invité d'honneur de la foire du livre de Leipzig. Là aussi j'y reviendrai un petit peu après pour montrer un petit peu comment on a représenté cette littérature. Un autre domaine dans lequel on est volontiers en action, c'est celui de l'enseignement. Ici, c'est un exemple d'un workshop qu'on donne à Lucerne, où on essaye de faire, de rendre le monde du livre accessible aux élèves. C'est dans une bibliothèque sur une colline en Appenzell. D'un collectionneur qui a pendant toute sa vie collectionné des photos de phénomènes atmosphériques et météorologiques, et à côté de ça il a collectionné des livres et des œuvres d'art, et maintenant il est malheureusement décédé, mais sa fille a tout rejoint et tout regroupé dans une maison sur cette colline, un ancien hôtel dans lequel on peut aller avec des classes entières faire des workshops pour 2-3 jours, et puis faire un petit peu permettre aux étudiants de rentrer là-dedans, de voir une diversité de livres et de pouvoir les, entre guillemets, les disséquer et comprendre un petit peu comment un livre peut fonctionner. Un autre exemple d'enseignement, entre guillemets, c'est un workshop ici à Palerme qu'on a fait dans le cadre des plus beaux livres suisses. D'une part, assez intéressant parce que c'est assez facile de faire parler les Italiens, c'est un peu plus facile que de faire parler les Suisses. Il y a moins besoin de les chauffer pour les faire s'exprimer sur un sujet. Peut-être aussi parce qu'ils parlent pas seulement avec la bouche. Et un autre aspect très intéressant, c'est le fait de parler de livres et de beauté de livres dans un contexte culturel et économique complètement différent que le nôtre en Suisse. On arrive en Sicile avec des étudiants qui étudient le design et qui se demandent s'ils ont vraiment envie ensuite de quitter leur île, à proprement parler. Parce que le seul moyen de travailler dans le design pour eux, en fait, c'est de sortir de leur île et puis en fait de s'expatrier. Quelque chose qui, chez nous, est plus du domaine du choix que du domaine de l'obligation. Un autre contexte, c'est celui de l'ECAL, où je travaille à 20%. Bonsoir, Olga.
C'est ici deux scènes de présentation très solennelles qu'on a à la fin des travaux. Je me mets toujours dans la peau des étudiants, ça ne doit vraiment pas être agréable de devoir toujours présenter son travail devant 5 ou 6 profs, mais c'est comme ça. On essaye de le faire avec bonne humeur. Pour le programme à venir maintenant, j'ai été un petit peu emprunté au début en sachant de devoir venir faire une présentation. J'ai toujours l'impression que le graphisme, c'est quelque chose de pas très spectaculaire, un peu sec, une matière un peu sèche, et pas forcément quelque chose à présenter en public. Donc ça me réjouit que vous soyez tous là, que vous veniez quand même voir ça. Je vais structurer ma présentation en 3 points. C'est mes questionnements autour de cette question-là, autour du graphisme. Ensuite, d'essayer de dévier un petit peu dans notre bureau et notre manière de fonctionner. Et puis à la fin, en troisième position, vous présenter le livre sur Merit Oppenheim, dont on a parlé au début. Mon premier réflexe a essayé de chercher un titre pour cette conférence. J'en ai gardé 3. Il y en a un qui nous a été donné par la presse suisse romande un jour, et si les bonbons remplaçaient le dentifrice. Je le mets comme ça de côté, ça m'a plu, je ne sais pas si ça va nous aider à travailler. Il y en a un autre qui serait « Comment faire le plus beau livre du monde ?» C'est une question qui nous a vraiment été posée, à laquelle on n'a jamais réussi à répondre. Comment gagner un concours de beauté ? Difficile à dire. On peut essayer d'expliquer comment on a travaillé, mais on n'a jamais travaillé dans le but d'arriver à ce prix ici. D'autant plus que ce livre a été détrôné cette année. Ça, c'est le nouveau lauréat qui a été dévoilé la semaine passée sur le travail de Paul Elliman. Pas de nous, mais de la concurrence qui l'a bien mérité. Et le troisième titre, celui que j'ai considéré comme étant un petit peu le plus juste, c'est celui-ci. C'est qui? Avec la réponse, c'est le plombier. En espérant, enfin, sans vouloir arriver au même comique que celui qui l'a utilisé avant moi, Fernand Reynaud. Mais j'utilise en fait cette métaphore du plombier pour revenir en fait à ce que j'essaie de considérer de définir ce que c'est le graphisme et pourquoi je le considère pas comme étant spectaculaire, parce que je considère ce métier en fait comme un service. Il y a quelqu'un qui arrive chez nous avec un problème, on doit lui fournir une solution. Et c'est quelque chose de très rationnel, de très rectiligne et de très terre à terre. Ça n'a rien à voir avec le Parti Socialiste, c'est juste un problème et une solution, donc vraiment rien à voir. Le client qui vient chez nous, il a un problème, c'est simplement un problème de communication. Nous on le considère toujours comme étant spécialiste dans son domaine, donc on doit l'écouter, on doit réagir un petit peu à ça. Si on essaye de rendre ce schéma un petit peu plus compliqué, on a le problème qui est posé au départ, qui amène plutôt pas mal de questions, à laquelle on devrait donner une seule solution, et le problème qui vient en plus, c'est qu'en fait cette solution, la plupart du temps, elle crée encore plus de questions. Donne pas forcément que des réponses. Par rapport à cette image du plombier, j'ai l'impression aussi que le plombier, là aussi, on lui fournit un problème. Il est le spécialiste dans son domaine. Il va nous donner le moyen de réduire les dégâts d'eau. Si le graphiste est souvent apparenté en fait à un domaine artistique ou à un domaine entre guillemets créatif, qui est un mot assez poison, on oublie souvent que on passe toutes nos journées devant l'ordinateur. C'est pas forcément un quotidien très créatif. C'est du travail, c'est de l'administration, c'est du questionnement, c'est du re-questionnement pour savoir si le client a vraiment compris ce qu'on voulait lui proposer, ou pour savoir si nous on a compris ce que voulait ce qu'on voulait questionner et ce qu'on voulait solutionner. Peut-être le seul moment qui différencie en fait notre travail de celui du plombier, c'est qu'on doit peut-être un petit peu plus écouter, on doit observer pour avoir un petit peu plus d'informations qu'on veut bien nous donner. On doit proposer quelque chose.
On doit convaincre, on doit réagir aux éventuelles questions supplémentaires qui arrivent de ce client. Et puis, la différence arrive en fait à ce moment-là, c'est qu'on doit essayer plutôt de surprendre le public, parce que si le client veut communiquer quelque chose, il faut qu'il le communique avec une certaine originalité. C'est facile à se rappeler, ça fait EOPS, ERS. Donc en résumé, après j'arrête avec ces schémas, en résumé, si j'essaye de réduire le métier de graphisme à une formule, ce serait en fait essayer d'organiser visuellement de l'information. Et puis là entre en fait l'originalité de chacun des bureaux de graphistes, des bureaux de communication, c'est qu'en fait c'est à cette partie visuelle, suivant quel zigzag ça prend, ça va prendre une autre forme et ça va être d'un côté plus ou moins original que de l'autre. Cette organisation de l'information, ça me fait penser en fait qu'on pourrait être aussi pas seulement plombier, mais on pourrait être concierge, on pourrait être guide, on pourrait être toutes sortes de petits métiers en fait très très pragmatiques et très concrets. J'en arrive maintenant à une autre méthode de travail qui fait pas toujours des euros. Comme vous voyez ici, c'est vraiment une situation à laquelle je vais venir après, mais qui s'est passée dans notre bureau. Après peut-être un petit peu trop de questionnements. Donc à droite, c'est trois clients qui sont en train de réfléchir aux solutions qu'on est en train de leur proposer. Faire de l'ordre. Je pense que c'est une des plus grandes missions qu'on a. Je vais montrer maintenant un petit peu avec quelques exemples de livres qu'on a ici. Sans forcément entrer dans le détail, je vous donne simplement une espèce de collection de tables des matières. Quand on fait un livre, une des premières choses qu'on doit faire, c'est essayer de comprendre un petit peu quel est l'ordre des histoires que le client veut proposer et comment est-ce qu'on va le rendre accessible après à la lecture. Ici, c'est un... Donc en fait, c'est là un petit peu notre travail de concierge. On essaye de mettre en ordre et de classifier les choses pour les rendre accessibles. Ici, c'est un exemple tout classique avec les titres et les numéros de page. Dans ce cas-là, ce système de mise en page ou ce système d'ordre est aussi visible à l'extérieur du livre. C'est peut-être aussi une autre manière de faire une table des matières, de faire ces séparations de couleurs qui sont aussi visibles à l'extérieur du livre. Donc on sait aussi après, sans devoir chercher les numéros de page, où est-ce qu'on peut, on peut atterrir, où est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut sauter des parties du livre pour arriver au lieu souhaité. Exemple plutôt classique, c'est ici dans ce livre qui a été fait en accompagnement d'une exposition d'art à Zurich, mais qui regroupait en fait uniquement des histoires. C'est une exposition d'art regroupant uniquement des artistes d'un quartier spécifique de Zurich. Et au lieu de faire un catalogue, les éditeurs ont choisi de faire un catalogue d'histoires, de reportages à l'intérieur de ce quartier. Ici, de nouveau, on a juste mis l'accent sur la structure et sur les numéros de page. Je le mets directement en opposition avec le livre que j'ai déjà cité avant, celui de droite, qui était celui représentant la Suisse ou la littérature suisse à la foire du livre de Leipzig. Un livre de nouveau en allemand. Il y aura quelques auteurs francophones, mais qui ont été traduits en allemand. Donc à gauche, vous avez la manière complètement classique de faire cette table des matières. À droite, le contenu nous a poussé en fait à faire une série d'index. Le livre, dont la couverture est ici, était un livre de lecture qui était en fait composé d'extraits d'originaux, de textes originaux d'auteurs suisses, combiné avec ce qu'on voit sur la partie gauche de l'image de droite, avec quelques petites
anecdotes ou des particularités suisses qui ont été rédigées exprès pour ce livre. Sur la droite et sur l'image de gauche, vous voyez en fait les scans qu'on a fait directement des éditions originales ou des premières éditions de ces livres, où les livres ont été scannés et remis simplement en couleur. Pour revenir à l'index, on a fait tout un système de couleurs et décidé en fait que ce livre n'était pas un livre à lire de A à Z. Donc c'est un livre où on peut plonger, un petit peu le livre qu'on a aux toilettes, où on arrive et on a le temps pour lire un petit extrait. Et on peut simplement ouvrir ce livre, plonger dans une thématique, le refermer, revenir à un autre moment. On peut choisir aussi un autre lieu, c'est pas un problème. Tous ces termes ont été classifiés en plusieurs index. Pour chaque thème, ont été attribués une couleur. Ici, c'est la partie où tous les thèmes ont été représentés en index par thème. Et ensuite, on a repris en fait tous les mots-clés qui représentaient en fait chaque texte à l'intérieur du livre, et on les a mélangés et remis dans l'ordre alphabétique, permettant en fait ainsi de laisser au lecteur de choisir sa manière d'aborder le livre, sa manière de rentrer à l'intérieur de cette collection de textes. Et ça montre d'une part un certain ordre, et puis d'un autre côté ce désordre qui est un peu cette multitude de thèmes qu'on peut rencontrer à l'intérieur de ce livre-là. Une autre manière d'aborder une table des matières, c'est de le mettre directement sur la couverture. Au lieu d'attendre que la personne ouvre le livre, on met simplement tout le contenu sur la couverture. Ici, c'était justement ce magazine 31. C'est un magazine de théorie de l'esthétique qui a été publié pendant 10 ans. Ça a été en fait notre premier client qui nous a été fidèle pendant 10 ans. Et une fois que le chef de cet institut a pris sa retraite, le magazine a disparu. On a pu sortir en fait un magazine chaque année pendant 10 ans. C'est avec ça qu'on s'est un petit peu fait les ongles et les dents et notre métier. C'est en faisant toutes les erreurs qu'il fallait dans ce magazine. Et ça, c'est les 3 des 4 derniers, c'était un petit peu les meilleurs après qu'on ait bien profité de faire des erreurs. Et on a choisi justement, en fait, dès le premier numéro, de mettre tout le contenu sur la couverture. Partant du principe qu'il n'y avait pas forcément besoin de tergiverser assez longtemps, tout ce contenu, il n'y avait pas forcément de hiérarchie à l'intérieur des textes. Il n'y a pas, comme dans un magazine peut-être classique, un thème ou un article leader dans le magazine. Ils sont tous ont tous la même importance. Donc, on pouvait se permettre de les mettre tous sur le contenu. Après, c'était à nous dans notre envie de jouer avec les éléments, de chaque fois, en fait, un peu trouver une nouvelle manière de répartir ces titres sur la couverture. C'est un thème que aborderai après aussi dans la troisième partie de cette présentation, c'est comment est-ce qu'on s'occupe aussi du texte à l'intérieur de ces magazines. Ici, ça a été un des précurseurs chez nous d'une attention particulière aux notes de bas de page, qu'on a toujours plus ou moins essayé de refuser de mettre en bas de page. Ici, c'est une situation assez particulière parce que c'est des textes qui sont scientifiques ou qui se veulent scientifiques, donc il y a toujours énormément d'explications, énormément de références, énormément de preuves que toutes les références qui ont été citées sont vraiment existantes. Donc on se retrouvait toujours avec des textes de 3-4 pages, extrêmement denses, très souvent sans images, et avec encore sur ces 3-4 pages, en fait, la dernière colonne qui était en fait une soupe à la note de bas de page. Pour nous, en tant que graphiste, complètement indigeste. Je considère aussi qu'en tant que lecteur, complètement indigeste. Donc il fallait simplement essayer de les rendre, enfin, d'en faire un avantage pour nous, d'en faire un élément aussi avec lequel on peut jouer, les rendre présentes et puis aussi les rendre accessibles toujours
dans une zone proche de là où elle est citée à l'intérieur du texte. Dans ce magazine, ça a été aussi notre activité principale, celle de rendre ces pages aussi vivantes, sachant qu'il y avait très très peu d'images. C'est avec les années qu'on a réussi un petit peu à insister et puis amener les auteurs à introduire des images, étant donné qu'ils parlaient d'esthétique, c'était pas que de l'esthétique mentale, mais aussi une esthétique qui se rapportait au monde de l'art et du graphisme. Donc petit à petit, les images ont fait leur apparition dans ce magazine, jusqu'à ce qu'ils comprennent aussi qu'on puisse se focuser sur des articles faits simplement d'images. Une autre approche de la table des matières, c'est dans ce livre sur Luca Selva qui est sorti en fait en fin d'année passée, sur un architecte qui n'a pas décidé de faire un gros livre sur tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, mais qui a décidé si déjà je fais un livre, j'essaie de faire un livre sur une certaine thématique qui m'intéresse. Il a lui choisi en fait de présenter huit maisons et un pavillon. Des maisons donc privées, à ses dires en fait une niche absolument pas rentable de construction, mais dans laquelle il a pu lui en fait faire des recherches, s'occuper en fait de préoccupations assez spécifiques de ses clients chaque fois, qui sont en fait des privés qui se réalisent en fait leurs rêves et qui ont des vœux et des choses et des idées ou des visions qui ne sont pas forcément celles qu'aurait un entrepreneur qui doit construire tout un quartier. Et ici juste une double page de l'intérieur, c'est un livre très calme avec des grandes images dans laquelle on essayait de faire en fait chaque fois pour chaque maison une promenade à l'intérieur d'une maison. Ensuite, on a toujours essayé de passer dans le jardin de la maison, de rentrer par le jardin dans la maison suivante, et puis en fait de presque donner l'illusion au lecteur qu'il est en fait jamais sorti d'une maison, il a passé autour de la maison, il est rentré par le jardin, il est ressorti, il est rentré, etc. Et là, on a décidé de considérer le livre comme une maison, de faire aussi d'utiliser des matériaux assez bruts. Ici, le livre est en carton gris. Et maintenant, là, j'ai un terme technique d'architecture que je trouve pas, mais où le crépi qui serait appliqué sur ce béton apparent, c'est en fait la couverture du livre qui laisse à l'intérieur de la couverture apparaître en fait devant et derrière la liste des maisons avec toujours un aperçu imagé pour en fait donner l'accès ou le numéro de page ou de l'endroit où on peut rentrer en fait dans chacune des maisons. Un peu compliqué comme j'explique, mais... Ici, on a une série de livres qu'on a fait pour l'Office fédéral de la culture qui attribue chaque année à une vingtaine de designers un prix. Et c'était un petit peu l'époque d'or où il y avait encore beaucoup d'argent pour faire ces livres. Et on a pu en faire trois de suite qui représentaient en fait chacun des lauréats. C'est toujours entre 20 et 25 travaux qui sont représentés. Et on a essayé de faire cette série toujours en référence à un système encyclopédique. Donc déjà là, un système encyclopédique, ça amène peut-être plus facilement à faire une table des matières avec plusieurs chapitres à l'intérieur du livre. Ici, c'était dans la première édition. Et justement, dans cette table des matières, on a essayé de représenter en fait tout le squelette du livre avec les termes principaux ou les thèmes principaux. Et puis à l'intérieur de chacun de ces thèmes, comment se développent les détails. Donc vous avez toujours au centre, centré, les thèmes principaux et puis tout ce qui en découle après en détail sur les deux côtés. Ici, la couverture de l'un et de l'autre, ce système encyclopédique qui est aussi en fait alphabétique, qui apparaît sur la couverture du premier en tant que liste, allant des noms de Aho à Zim. Et puis la quatrième de couverture de l'autre livre qui en fait représente
autant le contenu qu'une statistique qui représente, par exemple, dans ce cas-là, qu'il y avait beaucoup plus de graphistes que de couturiers qui ont été primés. Ici, c'est le sommaire de la deuxième année. Donc, de nouveau, ici, un essai de représenter ce contenu de manière structurée. Ici, quelques aperçus des doubles pages avec une citation assez explicite du monde de l'encyclopédie, avec les lettres et les termes placés dessous. Dans ce numéro, on s'est permis encore une deuxième couche de représentation de ce contenu en représentant en fait les travaux dans des vues générales, dans le lieu même où tous ces travaux ont été analysés et jugés par le jury. Donc en fait, sur des pages d'images, on les voit toujours réparties sur le sol, avec sur la gauche ou la droite des images toujours un renvoi qui fait qu'on peut essayer de trouver dans l'image où est tel et tel objet, retrouver en fait quel est l'objet qui nous intéresse, et puis aller à la page 103 ou à la page 82, etc. Et puis on a poussé le bouchon jusqu'à la fin, refaire une liste de tous les renvois, ce qui permet en fait de nouveau un accès par le début du livre ou un accès par la fin du livre, un accès par le contenu ou un accès par les mots-clés. Et puis ici, c'était dans la troisième version, on avait un petit peu marre de faire des tables des matières complètes chaque fois. Et on a essayé de réduire le tout à juste ce petit filet. On n'a pas perdu notre énergie, par contre, pour essayer en fait à chacune des images de faire des annotations ici mises en travers, et à l'intérieur du texte aussi de faire des renvois. Donc en fait, de nouveau, une espèce de table des matières déplacée à l'intérieur du contenu, où on commence à expliquer au lecteur qu'il a le droit ou qu'il devrait faire ce va-et-vient à l'intérieur du livre. Là, on n'a jamais non plus essayé de savoir si les lecteurs l'ont vraiment fait. Mais il y a un côté aussi décoratif qui nous a certainement plu à cette époque-là, c'était il y a quelques années. Ça, c'est le dernier livre qui est sorti la semaine passée d'imprimerie. Ça, c'est une autre réalité chez nous, c'est qu'on travaille très souvent en deux langues. Les travaux d'avant, c'était des travaux qui étaient même en trois langues, toujours français, anglais, allemand, qui ne sont pas vraiment les langues nationales, mais ce qu'on arrive à le consensus qu'on arrive à faire avec nos quatre langues en Suisse. Ici, c'est un exemple de livre en deux langues pour lequel on a dû trouver une solution assez particulière, parce que il s'agissait pas d'avoir deux fois le même livre à l'intérieur deux fois le même contenu à l'intérieur du même livre. C'est simplement certaines interviews qui ont été faites avec des artistes ici dans ce cas-là ont été menés en français et laissés en français, et ceux qui ont été faits en allemand ont été laissés en allemand. Donc en fait, il y a un livre, soit il faut être bilingue, soit il faut se contenter de lire en fait qu'une seule partie. Mais c'est aussi ici visible dans cette table des matières, où on se rend compte qu'il y a l'introduction qui a été qui est représentée tout en haut maintenant de l'image, qui a été traduite, donc qui est en allemand et en français. Ensuite, il y a les entretiens, celui de gauche, qui est en allemand, celui du milieu qui est en français, la série du milieu qui est en français et la série de droite qui est de nouveau en allemand, et puis ensuite toutes les bibliographies, chronologies, remerciements, etc., qui sont de nouveau bilingues. Et puis un système de titrage des pages où on a aussi dans les parties bilingues toujours choisi de mettre une langue, l'allemand qui est dominante dans ce livre en premier, et puis sur le recto, la traduction. Une quatrième langue maintenant, l'italien. C'est un livre qui est sorti en trois éditions différentes. C'était un guide représentant en fait toutes les activités de l'Office fédéral de la culture en Suisse. Ici, c'est la version italienne. C'est une avant-dernière version de table des matières ici, qui a été fait sous forme de registre, permettant en fait par le texte de sauter dans la partie imagée. Et je trouve simplement assez intéressant de se retrouver en fait avec toujours
un même thème qui est celui du sommaire, et on se retrouve avec ce terme qui est suivant, comment il est abordé, qui s'appelle sommaire, table des matières, registre, index, etc., qui est en fait toujours un reflet de comment est-ce qu'un livre va être organisé, ou bien le reflet de comment est-ce qu'un auteur a pensé, un auteur ou un graphiste, ou un auteur avec l'aide d'un graphiste, comment est-ce qu'il a pensé la structure de cet objet. Quelques coutumes très suisses. Maintenant, j'en arrive à ce sujet assez particulier, c'est le projet avec lequel tous ces gens avaient une tête un peu concentrée là. C'est celle de cet agenda culturel pour le canton d'Argovie, qui est un canton assez particulier, j'y reviens dans deux secondes, en Suisse. Ici aussi, une table des matières ou une structure déclarée directement sur la couverture avec cette bande sur la gauche du cahier où on a le numéro, le mois et ensuite les catégories qu'il y a. Ici, c'est la musique, l'art, la scène, la littérature, les films et les expositions. Et puis, à cette époque-là, il y avait encore une catégorie diverse. Et en même temps, sur cette couverture, on essaye de mettre l'accent sur trois événements ou deux événements qui sont toujours représentés de manière imagée, toujours, en fait, chaque fois en deux couleurs. Chaque mois reçoit une autre couleur. J'en arrive en fait à la particularité de ce magazine et de ce canton. C'est un canton qui est né à l'époque de la République helvétique. Donc c'est pas, enfin, on n'était pas les premiers Rasta. C'était un des premiers drapeaux suisses. Il faut que je vais me faire taper sur les doigts maintenant, mais 1700, 1800. Quelqu'un peut m'aider? Napoléon est venu quand en Suisse? Donc un petit peu avant, il y avait la République helvétique qui avait décidé une répartition des cantons en Suisse. Ce canton d'Argovie était constitué de trois cantons. Quelques années plus tard, un certain Napoléon, ça c'est le canton, qui est entouré de cantons suisses et de l'Allemagne au nord. Un petit moment après, Napoléon est venu faire de l'ordre en Suisse, à l'époque où c'était les Français qui devaient nous apprendre à faire de l'ordre. Maintenant, on sait le faire tout seul. Il est venu faire de l'ordre et il a décidé en fait que ces trois cantons d'origine devaient être regroupés en un canton. Le désavantage de cette restructuration, c'est en fait que ce canton, il a un chef-lieu, mais c'est une ville qui est à peu près aussi grande que la... Enfin, c'est Aarau que vous voyez au milieu à gauche, mais si vous avez Lenzburg, Baden, etc., c'est des villes qui sont à peu près à la même taille. Donc en fait, il n'y a pas forcément une dominante, il n'y a pas un centre dans ce canton. C'est un canton qui est resté dans son âme profonde séparé en trois voire quatre zones. Il y en a une en haut à gauche, une en haut à droite, une en bas et celle au milieu qui se suffit un petit peu elle-même. Et ça a en fait mené dans ce magazine à une décision politique des gens qui ont donné de l'argent pour faire ce magazine de dire non, on aimerait faire un magazine qui rassemble toutes les informations culturelles de ce canton en un magazine. Donc on a fait, on a dû faire une structure par thème. Donc musique, scène, théâtre, art, etc. Alors qu'en fait, le geste naturel aurait été de faire une structure par zone du canton. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chacune de ces zones-là, si il se réfère à une région, va toujours dans le canton d'à côté. Donc en fait, si vous voulez, la zone de Baden, pour eux, mentalement, leur capitale, c'est Zurich. Donc ils vont s'orienter vers Zurich. C'est des gens qui regardent les programmes culturels de Zurich. Ils vont jamais essayer d'aller voir le programme culturel de Zofingue ou de Rau ou d'une autre zone. Donc ça, c'était la volonté politique des gens qui ont donné l'argent, c'est d'encourager en fait les échanges intercantonaux. Ce qui ne marchait pas vraiment en fait avec
avec la structure, la structure du canton. Donc en fait, on s'est retrouvé avec avec cette volonté politique et avec ces instincts naturels de ce canton-là. Donc ça, c'est un petit peu la représentation du cafouillage que ça a donné. Ça rend le magazine, en fait, comme une espèce de parcours du combattant pour les gens qui ont envie de trouver je retourne à une. Donc ça, c'est une page normale. Les gens qui ont de Baden, qui ont envie de trouver quelque chose qui se passe dans leur ville, sont obligés de lire tout le contenu ou toutes les propositions culturelles jusqu'à ce qu'ils arrivent en fait à leur ville. Et c'est ce qui a en fait amené souvent à ces atmosphères-là, parce que chaque fois, la rédaction venait et nous disait, oui, mais les institutions, il faut qu'elles soient plus grandes. Faut que les noms des institutions soient plus grands. Et puis on leur disait, oui, mais si on fait des institutions trop grandes, après on ne voit plus les lieux. Alors, ah oui, d'accord. Après ils revenaient, puis ils disaient, OK, mais les lieux, il faut qu'ils soient plus grands. Et puis on arrivait simplement à un système qui a été proposé avec une certaine hiérarchie qui mettait en avant les titres des spectacles, parce qu'à la fin, ce qui nous restait, c'était en fait le contenu, c'était les spectacles, et puis tous les problèmes politiques ou les problèmes de mouvement des masses nous intéressaient plus. Chaque fois, en fait, ils retrouvaient par des réactions des lecteurs un nouveau problème à régler. Et évidemment, c'était nous qui devions régler ce problème-là, alors que le problème, il était en 1800, etc., chez Napoléon, pas chez nous. Voilà. J'arrête là pour la partie scolaire de la présentation. J'en arrive. À la dernière partie sur Meret Oppenheim. Ça, c'est la tête qu'on a fait quand on a reçu le prix. C'est l'avant-dernière Miss Suisse à l'époque. C'est un peu la tête qu'elle a fait quand elle a reçu sa couronne. Elle n'en revenait pas. C'est ça, à peu près, la réaction que nous, on a retrouvée. On a gagné le prix en anglais. C'est l'abréviation, c'est pas mal. C'est The Most Beautiful. J'ai fait une erreur. Non, Most Beautiful Book from All Over the World. Donc, on a reçu le MBBFAOTV pour ce livre. Ça fait juste plaisir de la voir se déformer comme ça. Ça a amené comme conséquence que tout à coup, on retrouve notre livre à la télévision, donc ici dans un cercle littéraire. C'est un peu le Bernard Pivot de Suisse. Il s'est trouvé aussi que tout à coup, en ouvrant des catalogues de meubles Pfister, qui est le plus grand distributeur de meubles, on se retrouve en fait dans les coulisses de ces catalogues. C'est pas mal, enfin, c'est un bon signe de réussite quand on arrive à être sur les piles de livres derrière les duvets, c'est pas mal. Pour en venir au sujet de ce livre, je vais essayer de vous raconter un petit peu. D'une part, qui était Meret Oppenheim et comment est-ce qu'on en est arrivé à ce contenu-là, et puis comment est-ce qu'on a pris les décisions qui ont fait que ce livre soit de cette taille-là et vert. Pour revenir à une des deuxièmes, au deuxième titre que je proposais, je ne peux pas vous dire comment on fait le plus beau livre du monde, c'est absolument impossible. Les concours de beauté, je ne sais pas comment ça marche. C'est dépendant du temps, de l'humeur du jury, de ce qu'ils ont mangé à midi, et d'autres choses, et de la concurrence. Meret Oppenheim, que vous connaissez peut-être en tant qu'auteur du Déjeuner en fourrure, c'est une artiste qui a été rattachée aux surréalistes, qui est née en 1913, le 6 octobre, à Charlottenburg, à Berlin. Ce livre a été fait parce que, il y a plus d'une dizaine d'années, en fait, sa nièce, elle-même n'ayant pas d'enfant, a reçu de son père et de son frère des cartons pleins de lettres, de correspondances, que Meret Oppenheim en fait avait gardé et classifié.
En partie, ces cartons étaient accompagnés d'instructions à partir de quand est-ce que tel et tel carton pouvait être ouvert et publié. Et c'est en fait des cartons qui sont restés dans un coin assez longtemps, ne sachant pas, enfin, Lisa Wenger, sa nièce, ne sachant pas quoi en faire exactement, jusqu'à ce qu'un jour elle se décide à les ouvrir et puis à regarder ce qu'il y avait dedans. Et puis elle s'est faite un petit peu happée par ce contenu. Il faut savoir que Meret Oppenheim est allée en fait assez jeune, est venue à Paris assez jeune, et elle s'est retrouvée assez vite dans un contexte artistique plutôt vivant et foisonnant. Elle a été très proche de Max Ernst, de Marcel Duchamp, d'Alberto Giacometti et de toute cette scène surréaliste de l'époque. Avec ces gens, elle a eu un contact assez régulier. À l'époque, on s'écrivait pas des SMS, mais on s'écrivait des longues lettres. Et on se prenait, semble-t-il, chaque jour le temps de s'écrire, les distances étant aussi beaucoup plus grandes. Berne, Paris était beaucoup plus long que maintenant, ce qui encourageait les gens en fait à écrire énormément et assez en détail. Cet album ici, qui constitue à peu près 20% du livre, a été en fait l'argument principal de l'éditeur de publier ce livre, sachant que des milliers de lettres, c'était peut-être pas forcément un argument très vendeur. Les lettres, il faut les lire. Qui lit à notre époque encore tout ça? Mais il y avait encore cet album qui a été plus ou moins trouvé par hasard, que Meret Oppenheim a fait dans les années 50, qui retrace en fait, enfin qu'elle a nommé elle, l'album de l'enfance en 1943. On ne sait pas pourquoi elle a arrêté en 1943, mais en fait elle a essayé, c'est un cahier un peu plus grand qu'A4, dans lequel elle a collé des dessins de son enfance, des contrats, enfin ça va des dessins de son enfance jusqu'à des contrats qu'elle a eu avec le MoMA de New York. Et c'est un objet assez touchant, avec ses éléments collés dedans, et puis encore des annotations qu'elle a faites, donc... au moment de faire cet album, qui donne des informations aussi sur son contexte, sur des commentaires qu'elle fait aussi a posteriori, donc qu'elle fait sur le passé. Il y a quelques pages ici que je peux vous montrer. Ça, c'est la première lettre qu'elle aurait écrite à sa maman. Une page dédiée à Hélène Sourkinden, avec qui elle est arrivée en fait à Paris en 1933, donc à 20 ans, en décidant de se lancer ici dans sa carrière artistique, qui n'a pas toujours été facile. Pas si facile qu'un jour son père a décidé de l'envoyer voir le fameux docteur Jung, qui était un ami, le psychiatre, qui l'a accueilli pendant une après-midi. Et puis ça, c'est la lettre en fait que le monsieur Jung envoie à son très cher collègue en lui disant que sa fille est très certainement dotée d'une énergie créatrice, mais pas plus anormale que quelqu'un d'autre. Il y a une note assez intéressante de Meret Oppenheim qui dit plus tard avoir beaucoup apprécié cet après-midi avec monsieur Jung, et que monsieur Jung avait dit qu'on exige toujours des femmes d'être des anges. C'était très important. C'était un de ces commentaires qu'elle a ramené de cet entretien. On ne sait pas si c'est ironique ou pas. Il y a des chances que ce soit ironique. Ici, c'est une page dédiée à Max Ernst, avec qui ils ont une relation assez intense. C'est assez fou de lire aussi ce livre. On se rend compte que Meret Oppenheim, qui était une femme déjà assez belle, et puis ensuite, quand on lit toutes ces histoires, on comprend qu'elle était loin d'être bête. C'est qu'elle a mis le feu quelque part dans ces cercles d'artistes et à peu près tout le monde qui était amoureux d'elle. Ça se lit dans les lettres. Peut-être un exemple déjà maintenant. Un certain Marcel Duchamp. Peut-être avant la lettre... Une histoire par rapport au travail qui a été fait. Pendant 10 ans, Lisa Wenger a recherché les lettres
et les a transcrites de manière lisible. Et rechercher les lettres, c'est un travail énorme, si vous prenez en compte qu'en fait, dans ces cartons qu'elle avait reçus, il y avait en fait uniquement les lettres que Meret Oppenheim avait reçues, pas les lettres qu'elle avait envoyées. Et pour rendre l'histoire assez compréhensible dans ce livre, on avait besoin, ou elle avait besoin, en fait, de l'aller et du retour, pour qu'on ait vraiment un dialogue. Et donc elle a dû en fait chaque fois aller contacter les descendants, les fondations qui s'occupent des archivages de ces lettres-là, pour leur demander s'ils avaient par hasard une lettre faite, écrite entre telle et telle date, et si on aurait le droit, non pas de forcément de la montrer en tant que telle, mais de citer le texte. Une autre particularité d'une lettre, si vous envoyez une lettre à quelqu'un, le bout de papier vous appartient toujours en tant que droit d'auteur. Le bout de papier ne vous appartient plus, étant donné qu'il a été donné, mais le contenu vous appartient. Donc, elle n'avait pas forcément besoin de demander l'autorisation pour pouvoir publier le contenu. Ça, il suffisait de le recopier. Mais dans un cas comme celui-ci, une lettre qu'elle a reçue, il fallait demander à l'émissaire ou l'émetteur en fait de pouvoir le publier. Donc en fait c'est un travail qui a duré 10 ans pour une femme qui travaille en fait, qui a aussi un travail la journée, aidée par une historienne de l'art pour essayer de reconstituer en fait tout ce matériel-là, jusqu'à ce qu'un jour elle décide d'aller voir un éditeur, et par chance cet éditeur a accepté. J'en reviens aux amours de Meret Oppenheim. Marcel Duchamp, malheureusement aucune lettre n'a été obtenue. On ne sait pas si elles ne sont pas là ou si on n'a pas eu le droit de les avoir, mais on n'a en fait que les messages que Marcel Duchamp a laissés à Meret Oppenheim. Et une grande série de ces messages sont à peu près comme ça. Paris, à Meret Oppenheim, Paris, 10 novembre 1935. J'ai peur que tu ne sois parti de Paris. Si tu es ici, viens ce soir dimanche au Dupont 11h30. Affectement, Marcel, dimanche matin. Marcel Duchamp, Paris, à Meret Oppenheim, Paris, 10 novembre 1935. « Chère Meret, me demandez où tu étais. Soir, je passerai au Lapin du Pont Latin à 11h30, et j'y resterai jusqu'à minuit un quart. Si tu es libre, tâche de venir. Si tu es libre plus tard seulement, je serai chez moi à partir de 1h moins le quart. Affectement, Marcel, dimanche 5h. » Marcel Duchamp, Londres, à Meret Oppenheim, Paris, 4 mars 1936. « Rentre dimanche soir. Écrirai lundi. Affectement, Marcel. » Marcel Duchamp, Paris, à Meret Oppenheim, Paris, 28 mars 1936. J'espère que tu vas mieux. Peux-tu venir chez moi demain dimanche vers 4h ? Je serai très content de te voir. Affectement, Marcel, samedi. Marcel Duchamp, Paris, à Meret Oppenheim, Paris. Vendredi soir, décidément je suis très occupé. Veux-tu me rencontrer à 8h demain soir samedi au petit restaurant près de la place Saint-Michel où nous déjeunons habituellement ? Affectueusement, Marcel. Donc là, c'est plutôt une conversation pour nous assez anecdotique. Il y a encore une ou deux lettres où il y a un petit peu plus d'échanges au niveau de leur activité artistique. Pour continuer avec des exemples, il y a une discussion assez riche aussi avec André-Pierre de Mandiargues, un écrivain qui était aussi près de ces groupes des surréalistes. Maintenant, il faut que je regarde lequel arrive, mais avec certains commentaires aussi sur ce contexte artistique. Donc pas forcément que des échanges anecdotiques, mais aussi des échanges assez sérieux. André-Pierre de Mandiargues, à Meret Oppenheim, le 10 septembre 1958. Je suis suspect aux surréalistes beaucoup plus que toi, et j'ai pour eux exactement les mêmes sentiments que toi. Adorant Breton, qui m'aime de moins en moins, et me méfiant de la plupart des autres, qui me méprisent ou me détestent pour un bon nombre d'entre eux. Il y a quelques exceptions. Le jeune Jean-Jacques Lebel, par exemple, qui est très sympathique et libre d'esprit. Mais les autres, Schuster en particulier, quel jésuite. Breton, cependant, aura toujours pour toi du respect, de l'intérêt et de l'amitié, parce que tu es une femme. C'est avec les hommes qu'il se conduit en amoureux et qu'il se fâche après un enthousiasme excessif. André-Pierre de Mandiargues.
Maintenant, une deuxième lettre dans laquelle on voit aussi peut-être une relation un petit peu plus personnelle, et ça saute en fait toujours comme ça. Il y a des discussions très sérieuses et d'autres discussions qui sont aussi beaucoup plus, pas forcément moins sérieuses, mais peut-être un petit peu plus émotionnelles ou un petit peu plus personnelles. Améret Oppenheim, 10 septembre 1958. Mes maladies de peau ont toutes disparu depuis que nous sommes à Venise. C'est peut-être de manger beaucoup de poissons, de coquillages, de sèches et de bêtes marines diverses qui m'a guéri, au lieu de me donner l'urticaire comme aux touristes germaniques. Je t'embrasse, nous t'embrassons, avec une grande tendresse. Amitié à Wolfgang. À bientôt, André. Charme. Et je vous donne encore deux derniers exemples sonores. Léonore Fini, une artiste argentine qui était ici à Paris aussi, avec qui Meret Oppenheim semble avoir partagé pas mal de fêtes et pas mal de soirées et de discussions. Ça devient un petit peu plus surréaliste. Accrochez-vous, Léonore Fini avait un accent espagnol assez fort. André-Pierre de Mandiargues. Cher Meret, comment vas-tu? Je regrette que tu n'es pas ici. Il y a des jours que je suis très heureuse. Le paysage est très beau. Je me baignais dans la rivière et je travaille chez Max. Le royaume est merveilleux. C'est un peu comme la maison de Villa Luca, que j'aime encore plus pourtant. On ne peut pas encore habiter chez Max, les maçons travaillant. Parfois, je suis grogneuse parce que je hais les gens de l'hôtel. Joviales et crétinement confidentiles. Les villageois sont des porcs, et leurs fils aussi. Je pense qu'André t'a raconté de Lee Miller. Maintenant, les Anglais aussi sont tous partis. Et nous avons passé bien une journée très heureuse. J'ai aussi commencé de toile, une avec un étrange masque rose. C'est un abat-jour que j'ai trouvé à Audrive, et une avec la Leonora. L'aigle et le chat tigré avec une perruque blonde. Les cheveux de Leonora finiront en plume de paon. J'espère que cela te satisfera. Nous avons dîné très bien. Une viande de bœuf que Léonore a fait. Mais enfin un télégramme de Zara. Il ne manquait que cela. Viens abîmer tout. Il arrive ce soir. Nous étions tous très furieux. On le fera vite partir et Max a déjà pensé comment. Je te raconterai comme cela s'est passé. C'est maintenant terrible. Si ici cela devient un pèlerinage du café des fleurs. Ironie du sort, la photo de droite ici a été faite par Lee Miller, qui semblait pas forcément être bien accueilli ou attendu là-bas. Je trouve assez intéressant de voir, enfin, comme tout à coup justement il y a tout le café de Flore qui se retrouve là-bas, mais en fait il y a des bisbilles et des tensions plutôt franches qui sont racontées maintenant par Léonore Fini. Un autre exemple qui donne peut-être un petit peu une idée de comment se passaient les soirées à cette époque-là. Hier, j'étais à la foire des Invalides avec Elena Cassin et André. Il y a une femme crocodile, c'est un table rangée comme pour la fausse Fantron. La tête d'une femme très méchante et brune en porc. Et derrière elle, très bien fait, les corps d'un crocodile empaillé. Le tout dans une sorte de cage. Elle a un ruban rouge sur la tête et des fleurs fanées autour de la fausse piscine. Une fillette dégoûtante et rusée, robe en satin organe et ornée de marabouts, dit tout le temps à la femme crocodile. « Mademoiselle, quel âge avez-vous ?» Elle répond « 18 ans. »« Que mangez-vous ?»« Viande fraîche et poisson. » Et parfois elle se trompe et dit « viande froide. » Nous avons demandé qu'elle bouge la queue. Elle a dit non et elle a rugi. L'enfant a répondu « elle ne peut pas, la queue glacée. » Puis nous sommes allés chez l'homme singe, qui est naturellement un très gros resplendissant mandril. Quel animal! Nous nous sommes embrassés, moi et Elena, devant lui. Nous lui avons montré jambes et épaules. Il hurlait alors et sautait simultanément sur les quatre pattes. Geste que je trouve très émouvant et hilarique même lorsque le chat le fait. Il était si furieux et si excité, et il se jetait contre nous et faisait « Nye, nye, nye !» et se grattait très fort les couilles mauves, comme les gâteaux que je préfère. C'était très agréable pour nous et flatteur, mais je pense qu'après il aurait eu mal à la tête. Voilà pour l'exemple audio. On va essayer de parler un petit peu de graphisme. En 1995, donc 10 ans après la mort à Bâle
Meret Oppenheim. Le travail, en fait, a commencé du triage et de la recherche des lettres. Cette collection, en fait, elle est faite de lettres et de notes. En fait, ici, c'est une recette de l'osso buco. J'ai pas encore essayé, mais ça serait tardé. Des lettres venant de personnes la connaissant. Et toutes ces lettres, en fait, ont été, après tout ce travail-là, confiées à l'archive littéraire suisse. Et elles sont toutes bien rangées dans des cartons, là, qu'on a été ouvrir et feuilleter pendant 2 jours à Berne. Comme je vous l'ai dit avant, le livre est composé à 20% de cet album, de l'enfance à 1943, qui représente justement ces photos de souvenirs, des photos de l'enfance, des dessins. Ça, c'est là, à droite, la maison dans laquelle elle a vécu. Maintenant, elle est magnifique. Je sais pas. À l'époque, elle devait être en rénovation. Et puis ça représente en fait un petit peu toute cette vie. Notre rôle a commencé en 2012. Ici, juste la tranche pour montrer un petit peu les 20% d'albums et le reste de lettres. Ce qui nous a vite amené en fait avec ce contenu-là à choisir un petit peu le format d'un annuaire téléphonique. Le format a été choisi en fonction en fait de la taille de cet album. Donc c'était un petit peu un album de cette taille-là qui rentre juste pas dans une étagère classique. On a tout réduit à 90% pour pouvoir le rendre plus maniable. Mais en fait, on a gardé les proportions et on s'est débrouillé ensuite à faire une mise en page qui correspondait un petit peu à ces proportions. La comparaison, elle se fait aussi au niveau du contenu. On a quand même essayé d'être un petit peu plus lisible pour des textes plus longs qu'un annuaire téléphonique. Mais une des premières choses, une des premières grosses décisions qu'on a dû prendre, en fait, c'est de mettre en page de trouver une solution en fait pour les notes. De nouveau, pas forcément des notes de bas de page, mais des annotations. Il faut comprendre en fait que ce livre, il est en tout cas en 3 langues, voire en 4. Je crois qu'il y a encore quelques lettres en anglais, mais il y a des lettres en italien, des lettres en allemand, des lettres en français. Il y a énormément de fautes, étant donné que Meret Oppenheim a écrit beaucoup en français et c'était pas sa langue maternelle, ou que Léonore Fini a écrit énormément en français alors que sa langue maternelle était l'espagnol. Et toutes ces fautes ont été gardées dans la retranscription et personne n'a essayé de corriger. Et en fait, de par ces fautes, de par des mots suisse-allemands qui ont été introduits dans l'allemand ou par des références que nous ne comprenons pas, sont nées en fait une quantité incroyable de notes qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre à la fin de chaque discussion. C'est des notes dont on a besoin en fait directement à la lecture de ces textes pour pouvoir en fait se retrouver, ou pour pouvoir comprendre le contexte, ou bien pour pouvoir savoir qui est cette personne qui est citée, soit qu'on la connaît pas, soit qu'elle est citée en fait par un surnom. Donc on a décidé en fait de les mettre au centre de la page. Pour leur donner vraiment une espèce, un rôle d'acteur principal. Et autour de ces notes se répartissent en fait les lettres. Ça permet d'une part d'avoir des pages en fait qui sont constamment vivantes, qui varient différemment, ce qui veut dire aussi qu'il y a quelques heures de travail qui ont été investies là-dedans, vu qu'on pouvait presque rien automatiser. Et puis ça rend en fait aussi le livre assez simple pour finir, parce qu'il y a que 2 situations. C'est soit des pages de texte, soit des pages d'images qu'on a décidé en fait de séparer complètement et puis de placer en fait uniquement ponctuellement, étant donné que toutes les lettres les lettres sélectionnées ont toutes été retranscrites et pas forcément représentées visuellement. Donc ici de nouveau un peu la
la situation classique d'une page de texte. La numérotation des notes recommençant en fait sur chaque page, ce qui était non, sur chaque double page, ce qui n'est pas forcément non plus pour faciliter la tâche du graphiste. Une autre décision qui a été prise, c'était en fait celle de ne retranscrire en fait que le texte. Beaucoup de lettres sont un petit peu comme celle-ci, elles ont énormément d'illustrations, elles ont des dessins qui remplacent des mots, et toutes ces choses-là en fait ont été éliminées, et elles sont de nouveau redécrites dans les notes, pour pouvoir un petit peu donner un aperçu à la personne qui lit de ce qui se passe sur cette lettre. Mais l'accent a été en fait mis sur la lisibilité de ces lettres. Et ici, peut-être qu'on voit encore un ou deux éléments qui ont été gardés. C'est quand il y a un petit cœur qui a été dessiné dans une lettre, on l'a placé. Quand des mots ont été soulignés ou des mots ont été tracés, des mots qu'on pouvait encore lire qui ont été tracés, ça, on l'a gardé. Ici, il y a un petit cœur au milieu. Le choix de typographie a été fait, on a concentré en fait sur deux typographies, une pour le texte qui est la case longue, qui est en fait une typographie très lisible mais qui garde encore pas mal de notes manuelles dans le dessin des lettres, qui donne une certaine irrégularité, une vie en fait au texte. On voulait garder quelque part aussi encore un petit peu un lien avec ces lettres. D'une part par le papier, qui n'est pas forcément très épais et mat, mais d'une autre part aussi par la typographie. La deuxième typo qui a été utilisée, c'est la Ludwig, parce qu'elle elle gardait en fait aussi certaines maladroitesses, entre guillemets, et certaines irrégularités de la case longue. Et elle avait une version très condensée qui nous permettait en fait aussi de mettre le texte dans ces colonnes très très étroites de notes. Une petite anecdote, je me suis retrouvé à l'imprimerie, on avait toujours pensé à mettre un petit peu d'argent de couleur argentée dans le noir, et puis c'était juste à peu près une heure avant de prendre l'avion, et j'ai dit ça à l'imprimerie, ouais, mettez-moi encore un petit peu d'argent. Ils sont arrivés et ils ont imprimé, enfin ils m'ont montré le test juste en étalant la couleur avec le pouce sur le papier. Je me dis, ouais, encore un petit peu plus noir, encore un peu plus noir, un peu moins d'argent, enfin, faut juste qu'on sente une petite touche. Et j'ai fini par partir en courant pour prendre mon avion en me disant, ok, enfin, faites-le comme ça, mais encore un petit peu plus, un peu plus foncé. Quand j'ai reçu le livre, j'ai voulu me cacher sous la table, c'était horrible, c'était tout extrêmement gris. Et mon problème, c'était pas forcément que ce soit gris, que ce soit pas beau, mais c'est qu'en fait, j'en avais jamais parlé à l'éditeur. Donc je savais qu'il allait recevoir un livre où il aurait l'impression qu'en fait il n'était pas imprimé mais il était mal photocopié. Je me suis fait bien sonner les cloches et l'ironie du sort, c'est qu'en fait ce détail-là a été souligné dans le jugement dans le rapport final du jury comme étant une décision très bien. Donc en fait le but, ce serait que ce soit un peu plus noir que maintenant, mais ça va quand même. J'ai dû en fait presque signer le contrat de ne jamais raconter cette histoire. Il faudra le couper dans la vidéo après. Une autre grande décision, grosse décision qui a été prise en fait, c'est de photographier toutes les lettres qu'on mettait dedans. Et ça, de les photographier pour qu'elles aient le plus d'ombre possible et qu'on voit le mieux le volume. Et le photographe fait un travail magnifique. Quand on ouvre le livre, on a vraiment presque l'impression de pouvoir décoller les lettres. Elles ont ce volume-là, elles ont ces ombres. Si on avait tout scanné, ça aurait été tout plat et ça aurait été juste une espèce de facsimilé bizarre. Et là, avec cette représentation, avec une ombre assez marquée venant toujours de la même direction, on a réussi à avoir ce volume-là. Pour essayer de contraster un petit peu avec ce ton monotone d'argenté sur blanc et de la plupart des lettres qui sont finalement toutes écrites sur un papier blanc ou jauni,
On a décidé aussi d'amener de la couleur. On a essayé de regarder un petit peu quelles étaient les couleurs du monde visuel de Meret Oppenheim, qui sont assez particulières. Et on a retrouvé en fait une réserve chez quelqu'un qui les avait encore de feuilles Pantone, qui sont en fait des feuilles comme ça, qui sont utilisées ou qui étaient utilisées en fait par les architectes d'intérieur pour faire des maquettes, qui sont plus produites, mais qui étaient encore bien, bien conservées là-bas. Puis on arrivait avec nos petites listes de numéros Pantone qu'on voulait prendre. On s'est retrouvé en fait avec aucune des couleurs qu'on avait choisies qui était encore existante, parce que c'était, semblait-il, les plus jolies qui avaient été prises d'avant. Donc en fait, on s'est retrouvé devant en fait cette armoire, une armoire de 2 mètres avec ses feuilles dedans, et puis on a commencé à choisir parmi ce qui nous restait. Ce qui n'était pas plus mal en fait, parce qu'on a pu en fait prendre plus de couleurs et puis essayer sur place aussi de faire des ajustements. Et je pense que c'est aussi une des plus jolies décisions qu'on a prises dans ce livre-là, c'est en fait d'amener cette couleur et puis de donner finalement, sans altérer les originaux, mais de donner un caractère assez fort au livre lui-même, donc à l'objet. Ici, c'est juste enfin quelques exemples où on voit en fait ce contraste. Les couleurs ont toujours été placées de manière à ce que une page soit au recto verte et de l'autre côté aussi verte, et que la couleur change sur la page suivante, mais sans jamais choisir maintenant particulièrement pour cette page-là un fond spécial. Donc on a fait un rite plus ou moins aléatoire qu'on a changé en fait directement sur le fond photographique. Donc il n'y a aucune manipulation visuelle Photoshop là. La dernière décision qui n'a pas été facile, c'était celle de trouver un portrait pour la couverture. C'était clair qu'on mettrait un portrait de Meret Oppenheim sur cette couverture, mais on s'est retrouvé en fait face à une difficulté, c'est que soit on se retrouvait avec des photos très artificielles comme celle-ci, ou des photos comme celles qui ne sont plus en fait des portraits d'une personne, mais qui sont en fait le cliché d'une personne, ou qui sont devenus des clichés extrêmement connus. C'est une photo de Man Ray. Ou alors des portraits de Meret Oppenheim plus âgés. Ici, c'est un petit peu l'extrême de ce qu'on pouvait trouver, mais c'est un visage très, très dur, très taillé et toujours extrêmement contrôlé dans l'expression. Et en lisant le contenu de ce livre, on se rend compte d'une certaine fragilité. C'est une femme qui livre en fait ses émotions, qui les échange avec le monde, avec ses amis, il faut se rendre compte de ça aussi. C'était une femme parmi des artistes, ça existe presque pas, ou ça n'existait presque pas. C'est quelqu'un qui a dû s'affirmer énormément, donc qui a dû avoir énormément de doutes aussi. Et tout ce livre très sincère ne correspondait en fait pas du tout à cette manière, soit très calculée d'un photographe de la représenter, soit très calculée de sa part, d'elle-même, de la manière dont elle se maquille, de la manière dont elle se met en scène. Et on a en fait cherché assez longtemps, et surtout demandé à sa nièce assez longtemps de nous ramener une autre photo, quelque chose de plus neutre, de plus humain en fait, de plus accessible, jusqu'à ce qu'elle nous amène en fait une photo plus ou moins une photo passeport qui était en fait inédite, qui traînait quelque part dans un carton là-bas chez elle, et qu'elle nous amène ça, et on s'est dit ah, ça c'est l'occasion, c'est ici qu'on voit une personne. On reconnaît toujours extrêmement bien sa beauté, mais il y a ce flou de la mauvaise qualité de la photo, il y a cette expression un petit peu un peu dans le brouillard comme ça, qui représentait en fait l'image qu'on peut se faire d'elle en commençant la lecture de ce livre. Donc en fait d'une part cette beauté ou ce charme ou cette envie de la connaître, et de l'autre côté un petit peu ce flou qui laisse ouvert, ou cette fragilité qui laisse l'interprétation assez ouverte. C'est comme ça que ça a été réalisé ensuite sur la couverture. J'en arrive au dernier sprint final. Je vous fais une série de chiffres concernant ce livre. On s'est rendu compte nous-mêmes aussi qu'on avait un peu battu pour nous quelques records de volume et de travail. En 2012, le travail a commencé.
En juillet, on a eu la première rencontre avec Madame Wenger et l'éditeur. En août, on a dû livrer le premier concept. Et puis ensuite, à partir d'août, on a travaillé un tout petit peu de temps en temps à cause de certaines modifications de l'idée de base du livre. Au début, l'éditeur voulait tout traduire. On s'est rendu compte que même si on ne traduisait pas, le livre aurait explosé, personne n'aurait pu le porter. Donc ils ont remarqué aussi qu'il fallait un petit peu couper dans cette masse de lettres, et puis qu'on allait garder en fait toutes les lettres dans la langue originale. Donc en fait le livre, ça vaut la peine même pour vous de l'acheter, et quelques lettres que vous pouvez lire. Donc en fait de août à 2013, à janvier, on a juste fait quelques petites modifications du concept et un petit peu d'affinage, mais c'était pas une période très intense de travail. Début janvier, on a reçu les textes, et fin février, on a dû faire déjà les premières corrections. En mars, on a pu placer définitivement les notes et les numéroter. Et fin mars, on en est arrivé à l'impression. En avril, on a reçu le livre relié, imprimé et relié. On a eu la première fois dans la main. Donc en fait, ça veut dire qu'on a eu 8 mois de travail, dont 2 mois de layout, donc de mise en page pure de texte, 1 mois qui ont été dédiés aux corrections et à la préparation à l'impression, 5 jours de recherche dans les archives de Berne pour choisir en fait les meilleurs exemples visuels de lettres, 2 jours de photographie avec le photographe de l'archive, 1 jour à l'imprimerie, dans lequel on peut trouver des petits trésors comme cela. Maintenant, plus en détail dans le livre, il y a 2332 notes distribuées sur 1882 grammes de papier. Il y a un index avec des biographies de 567 personnes qui sont citées dans le livre. Il y a 548 colonnes de texte. Il y a 452 pages. Il y a 152 pages couleur. Le livre coûte 79 francs suisses. Ça restait à 68 euros. 33, c'est le nombre d'échanges épistolaires à l'intérieur du livre. C'est aussi la hauteur du livre. 22, c'est la largeur du livre. On a dû faire 11 séparations de mots d'une colonne à l'autre. Ça fait mal, mais on l'a fait. Malgré le fait que 8 personnes aient corrigé et relu le livre pour trouver d'éventuelles fautes, on a trouvé 7 grosses fautes là. Si vous regardez en haut, la numérotation passe de 1, 2, 3, 4 à 71, 72, 73. On a utilisé 10 fois le courrier à vélo pour amener des informations d'un côté à l'autre de la ville. On a 8 couleurs de fond. On a fait 7 voyages à Berne, donc 5 pour les archives et 2 pour la photo. Le livre est en 5 langues. On a 3 tailles de typographie différentes. On a 2 séparations qui vont d'une page à l'autre. Ça fait encore plus mal, mais on l'a fait quand même. On a 2 caractères typographiques. On a 2 grammages et 2 surfaces de papier. On a 1 sorte de papier de base. On a 1 montage Photoshop, ça c'était assez intéressant. En fait, il y a une personne, je ne me rappelle plus qui, je ne me rappelle plus dans quel contexte, mais une personne qui a exigé de ne pas apparaître dans ce livre. Et son nom apparaissait sur une liste qui était photographiée. Donc c'est le seul moment où on a dû aller en fait ouvrir Photoshop et puis essayer d'effacer son nom. Évidemment, on a 1 livre, on a eu 1 lettre d'or et on n'a trouvé aucune orpheline ni veuve. Merci.